Non, je pense qu'il veut d'abord justifier ses actes, parce qu'il n'a pas à rougir, il a toujours agi en médecin. Il est très, très touché, pour ne pas dire autre chose, par la décision du Conseil de l'Ordre. Personnellement, je n'ai pas compris ces deux décisions. Des gens qui vont juger sans avoir un dossier, simplement sur l'élément qui consiste à dire « vous n'avez pas respecté dans la forme, etc. » On vous radie. C'est totalement inhumain. Je l'ai supplié, arrêtez ces souffrances, je vous en prie. Mais on dit toujours, oui, il faut même arrêter, il faut débrancher, il faut mettre de la morphine. La morphine, ça ne servait à rien. Il en prenait depuis plusieurs années, il prenait de la morphine. La morphine ne le faisait plus rien. Donc, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Oui, il a bonne attitude. Et ça me fera très mal si on lui donne une quelconque punition. Voilà.